Je vous retrouve pour faire le point sur mes dernières lectures, alors j'ai enfin terminé ma lecture de l'Aube d'Octasia Butler qui est le tome 1 d'une saga dont je ne vais pas prononcer le nom parce que je sais que c'est imprononçable. Hein. Alors c'est un livre que j'ai globalement beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, je l'ai trouvé très très intrigant. je pense que je vous avais déjà fait un résumé mais en gros on va sur l'histoire de Lilith. Lilith, elle se réveille après des années de sommeil, après plusieurs siècles de sommeil. Elle se réveille dans un vaisseau spatial et elle va rencontrer ces geôliers qui sont euh, des extraterrestres, hein, des êtres, des créatures tout à fait euh, bizarres. Déjà, elle va être très effrayée hein, de rencontrer ces, ces personnages. Et en fait, on se rend compte que ces gens, ces extraterrestres, ont sauvé Lilith et d'autres humains pour pouvoir potentiellement repeupler la Terre qui a été complètement détruite euh, des années auparavant. Donc, euh, effectivement, Lilith a connu le début de la fin du monde et puis euh, voilà, on l'a récupérée. Enfin bon, bref, plus ou moins, ça s'est passé plus ou moins comme ça. Et donc, elle sait qu'elle va pouvoir revenir sur Terre, mais évidemment, ces extraterrestres ne vont pas faire ça euh, gratuitement, ne vont pas euh, sauver des humains euh, et, et les remettre sur Terre gratuitement. Ils vont demander quelque chose en échange que je vous laisse découvrir. C'est un roman que j'ai trouvé vraiment palpitant. Alors, effectivement, la première partie est assez lente. On est, elle, est, elle est fort dans la solitude. On attend un long moment avant de voir un être humain. C'est vrai que ça paraît long parce que euh, nous aussi, enfin moi aussi, j'ai ressenti ce besoin viscéral de rencontrer un être humain. Euh, elle se sent très seule face à toutes ces créatures, face à ce vaisseau vivant. Euh, c'est très particulier. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. J'ai aimé le moment où les humains arrivent, même si c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit. Tiens, euh, la vitesse à laquelle ça va ne me correspond pas forcément. Je vous explique, je trouve que Octavia Butler a pris pas mal de temps pour développer le personnage de Lilith, ce qu'elle ressent sur le vaisseau, euh, sa relation avec notamment une créature euh, qui a dans le vaisseau. Elle a pris pas mal de temps. À un moment, il y a un personnage assez important dans l'histoire qui va apparaître. On développe ça et tout d'un coup, ça va très vite. Euh, je trouve que tout d'un coup, euh, ça perd un peu de crédibilité. On est bien sûr avec des extraterrestres, mais je trouve que c'était très euh, prenant, c'était très crédible d'une certaine manière. Et puis, il y a certaines choses qui vont très vite. Et, euh, et j'ai trouvé ça dommage parce que du coup, les réactions des personnages qu'on rencontre dans la deuxième partie du récit me paraissaient euh, extravagantes. Alors, je pense vraiment que c'était volontaire de la part de l'autrice, mais moi j'ai vraiment besoin quand je lis, j'ai besoin que en tout cas la psychologie soit crédible. Même si on a des extraterrestres et tout ce qu'il y a autour, il faut vraiment que la psychologie soit crédible, ce que ressemble les personnages soit crédible. Et là, je trouve que la deuxième partie allait vraiment vite et ça ne me correspondait pas. Je sais que c'est volontaire hein, de la part de l'autrice parce qu'elle a voulu démontrer certaines choses qu'elle n'aurait pas pu démontrer en allant beaucoup plus lentement. Et donc, ouais, moi j'ai regretté cette vitesse qui m'a détaché un peu du récit et j'en suis ressortie. D'ailleurs, je l'ai marqué puisque maintenant j'écris mes mini chroniques sur un petit papier. Euh, j'en suis ressortie avec, je pense, la dernière phrase, la phrase que j'ai sortie en, en finissant le livre, c'est "Qu'est-ce que c'est con un humain <rire> Voilà. <rire> je me suis dit euh, vraiment, quand on rencontre des humains dans le livre. Je me, je me dis que les humains sont vraiment débiles. Enfin, vraiment, je me suis dit à plusieurs reprises. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un passage un peu particulier avec une sorte de symbiose entre différents personnages. Je vous en dis pas plus, mais je vous avoue que j'étais très perturbée euh, moralement. Enfin, j'étais là. Ah, je suis pas sûre d'avoir envie de lire ça, j'avais l'impression d'être en mode, j'entends rien, je vois rien, je veux pas voir ça, mais bon, c'était un, un passage un, un peu particulier, en même temps, d'une certaine manière, très beau, et j'arrivais pas à me situer d'un point de vue éthique, est-ce que c'est est -ce est, est ok Et je me dis, bon, bah, si tout le monde est consentant, au final, c'est ok, mais... Ah, est-ce que tout le monde était vraiment consentant Enfin, bref, je... <laughs> C'était très particulier ce passage. C'est un livre qui pose pas mal de questions, qui est vraiment... qui ouvre à beaucoup de questions, c'est vraiment hyper intéressant. Et j'en suis ressortie en me disant Waouh j'ai encore envie de lire un truc comme ça. C'était pas un coup de cœur hein, parce que je vous ai dit que j'étais un peu déstabilisée justement ben, par des humains débiles. Mais... Euh, j'ai vraiment envie de me retrouver dans ce type d'univers et du coup, je suis en pleine crise monomaniaque. Vous savez pas à quel point ça m'arrive régulièrement. Hein. Quand je sors d'un roman, euh, d'un univers, d'un un genre particulier, souvent, bah, je me retrouve à avoir envie de lire d'autres livres de ce genre. Et donc, me voilà embarquée dans une frénésie de folie de science-fiction sur des planètes. J'ai arpenté le nest pour essayer de trouver des livres qui pourraient me correspondre. Et euh, je, je, suis, je me suis perdue sur YouTube, notamment sur la chaîne de Horizon Universe, qui euh, je, je crois que j'ai maté la moitié de ses vidéos, je crois que je vais continuer les jours prochains, je la trouve passionnante cette nana, enfin bref, euh, parce qu'il n'y a pas énormément de créateurs de contenu qui parlent de science-fiction au final, et, euh, et du coup je... Voilà, je, je, je suis en ce moment dans une bulle science-fiction, on ne me parle plus de rien d'autre, je ne veux que ça en ce moment, je suis comme ça. Hein. Ça peut être flippant par moment, surtout que si on considère, euh, on, on rencontre cette personne il y a un an, on me dit, meuf, tu vas lire des livres qui se passent dans l'espace, moi je dis, mais jamais je lis ça, ça me fait chier. C'est Becky Chambers qui m'a qui tendu la main vers, euh, voilà, vers ces livres-là. Et du coup, euh, je suis dans une nouvelle lecture en cours, alors, ça n'a pas été compliqué de choisir ma nouvelle lecture en cours parce qu'il faut savoir que j'ai pas énormément de livres de science-fiction dans ma bibliothèque. Enfin, je dis pas énormément par rapport à ma multitude. Enfin, j'ai une pile à lire euh, extraordinairement grande. D'ailleurs, je ne sais pas combien il y a de livres dans ma pile à lire puisque je mélange les livres bibliothèque euh, dans la bibliothèque de pile à lire et de livres lus. Ma bibliothèque, en fait, est très vivante. Donc il y a beaucoup de livres qui sortent, euh, tout d'un coup je me rends compte que je n'ai plus envie de les lire, du coup je les offre, je les vends, ça bouge beaucoup et je me suis détachée il y a un moment de ça, de la pression de la pile à lire parce que la lecture ne devrait pas être un stress, ne devrait pas être une contrainte et donc c'est pour ça que euh, ma pile à lire est noyée dans ma bibliothèque et je ne sais pas comment j'ai le livre. Si je regarde sur Livre Addict, ce pas du tout ma vraie pile à lire parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai donnés, que je n'ai plus en fait dans cette pile à lire Livre Addict. Voilà, j'ai mis aussi tous les e-books que j'ai, euh, que je ne lirai sans doute jamais. Enfin voilà. Donc euh, j'ai arrêté d'avoir ce, ce stress, et tant mieux parce que j'ai vraiment trop de livres, d'avoir ce stress autour de la pile à lire. Et du coup, euh, quand je regarde un peu tout ce que j'ai comme science-fiction, j'ai pas mal de science-fiction, hein, surtout en littérature jeunesse, mais j'ai très peu de science-fiction, un peu space-opéra sur euh, des planètes et tout. J'en ai peut-être 5-6. Voilà, <laughs> c'est un peu, euh, c'est ma pile à lire euh, spatiale. Évidemment, en fait, le premier livre que j'avais envie de lire, bah, à part euh, le, la suite, mais je ne l'ai pas. Donc voilà, le premier livre que j'avais envie de lire là, immédiatement après avoir lu ce Octavia Butler, c'était le livre de Becky Chambers qui est euh, L'espace d'un nom. C'était vraiment, ah, je veux lire ça. Et en fait, je l'ai mis dans ma pile à lire du, de La nuit du hasard. Et donc, euh, bah, je, bah, je pourrais le lire, mais je crois que je vais, le laisser, je vais le laisser pour La nuit du hasard parce que voilà, je l'ai mis dedans. Donc. Euh, ça peut être rigolo, peut-être que je vais tomber en février sur ce livre-là de Becky Chambers, hein, mais euh, voilà, donc je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas lire celui-là. Et donc il me reste pas beaucoup. J'ai The Expense que j'ai acheté euh, récemment. J'ai euh, quelques livres notamment, qui sont notamment dans la nuit du hasard. Mais du coup, j'ai un livre qui était dans ma pile à lire, et celui-là, je me suis dit que c'était le moment. C'est euh, Les Chroniques du Ratch de Anne Lecky, euh, La justice dans l'ancienne. Alors c'est un livre que j'ai vu passer euh, chez... Euh, Camelot de Magic Adou il y a un moment, il y a peut-être un an, je sais plus quand elle a eu son énorme coup de cœur pour ce, ce livre-là. Et donc voilà, je vais me lancer dans La justice de l'ancillaire de Anne Lecky, c'est le tome 1. Je suis au début, pour, pour le moment, on suit une intelligence artificielle. Ça a l'air vraiment chouette, hein, vraiment. J'ai voulu également me lancer dans de la lecture audio, parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois de, faire un, de lire un livre audio. Mais je n'y arrive vraiment pas. Si vous êtes comme moi et que vous avez peut-être des troubles de l'attention, j'ai envie de savoir, est-ce que vous arrivez à lire des livres audio Parce que moi, je n'y arrive pas. J'ai déjà testé plusieurs fois et je n'y arrive pas. J'ai voulu lire un Martha Welt euh, en livre audio qui est publié chez La Talente. Et euh, j'ai commencé le livre et je me suis endormie. Euh, je je, je n'arrive pas à me concentrer sur le livre audio, c'est trop dur pour moi. Euh, j'ai essayé plusieurs fois. Du coup, j'ai entendu trois fois le début de ce livre qui est euh, euh, Assassins, je crois, la saga. J'ai très envie de lire ça, et en fait, je, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à, à accrocher. J'ai essayé plusieurs fois avec d'autres livres. Bon, j'avais essayé avec Hyperion à l'époque parce que je l'avais trouvé sur YouTube. Euh, et je, je n'arrive pas, est-ce que c'est parce que c'est le lecteur qui ne correspond pas Ou alors simplement parce que je n'arrive pas à me concentrer sur ce que j'entends, parce que mon, mon cerveau part dans tous les sens. Et voilà, donc je suis un peu déçue parce que j'aimerais vraiment optimiser le temps que j'ai, par exemple. Par exemple, quand je suis trop fatiguée, ou parfois je suis dans le bus, il n'y a pas de lumière, ou là voilà, j'ai envie d'optimiser parfois le temps, ou, ou quand j'ai des grosses migraines, parfois je ne sais pas lire, mais je pourrais entendre une histoire. et... Voilà, j'ai je, je, envie de lire du livre audio, mais pour le moment ça n'a pas été, bon j'en ai testé trois, je crois un Kate Morton aussi, c'était impossible, je n'y arrive pas. Alors j'avais essayé effectivement le Kate Morton en faisant du ménage et ça c'est impossible, enfin vraiment je ne sais absolument pas ce que racontait ce livre, j'ai entendu un chapitre et c'était fichu quoi. Si vous avez un livre audio à conseiller avec un, autre, un lecteur, une lectrice euh, que vous avez trouvé génial, on peut, dont on peut écouter les extraits gratuitement, parce que c'est quand même cher les livres audio. N'hésitez pas à me dire parce que j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment euh, vivre ces moments en, en lecture audio. Mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Et je vais vous présenter deux livres que j'ai achetés puisque euh, vous... voilà, <laughs> quand j'ai fini Octavia Butler, j'avais envie bien sûr d'acheter des livres. C'est terrible. Mais bon, mon portefeuille n'est pas extensible non plus. Et j'ai fait une petite commande sur le site Librel, qui est un site belge qui à toutes, toutes les librairies indépendantes de Belgique, euh, en tout cas beaucoup de librairies indépendantes de Belgique. Et donc on sait euh, commander des livres euh, dans les librairies qu'on aime bien. Et donc j'ai commandé, je ne sais plus dans quelle librairie, c'est peut-être la librairie jaune qui est près de chez moi, euh, le tome 2, mais du coup il n'est pas encore arrivé, donc je vais devoir attendre, à moins que ce soit chez Flaget. Je ne sais plus. Et euh, dans une autre librairie, j'ai commandé. Ça ne va pas. J'ai été chercher aujourd'hui, j'ai commandé deux romans poche. J'ai commandé La parabole du sommeur d'Octavia Butler parce que je me suis dit « Oh, bah, c'est un autre, il me tente beaucoup. En plus, c'est de la dystopie. » Je raffole de dystopie. Euh, voilà, j'ai encore envie de continuer avec Octavia Butler parce que j'ai beaucoup apprécié. En plus, c'est sorti en poche, donc ce n'est pas trop cher. Donc, voilà. Ici, on est en 2024. Le nouveau président des États-Unis provoque une crise sans précédent des dérèglements sociaux. C'est un décor post-apo. Donc, ici, on n'est pas vraiment dans une plan sur une planète, hein, on est vraiment dans de la dystopie post-apo. Enfin, voilà, j'adore ce type de récit. Et alors, je me suis procuré un livre de Tchaïkovski, Tchaikovsky qui était déjà dans ma wishlist depuis un moment. Mais euh, dernièrement, je, je, voilà, il fallait que je, je l'achète, euh, que je le lise. Et euh, surtout, il est en poche euh, dans la collection Folio SF que j'aime plutôt bien. Dans la toile du temps d'Adrienne Tchaïkovski, qui est un roman, je pense que c'est une trilogie, et on nous dit que la Terre est au plus mal, ses derniers habitants n'ont plus qu'un seul espoir coloniser le monde de Kern, une planète lointaine. Voilà, donc deux nouveaux livres en SF, ça y est, la fille est partie pour euh, des aventures. <laughs> voilà. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment. Euh j'ai bien envie de lire du trailer aussi hein, je dois dire donc, en ce moment en fait j'arrive à faire plusieurs types de lectures j'avais lu donc une nez d'aucune femme en même temps que celui-là et, et ça me convenait bien parce que c'est très très différent donc euh, voilà c'est pas exclu que à côté des, des, des trucs du rage j'arrive plus à dire euh, je lis autre chose c'est un peu la honte mais j'ai reçu au mois d'août un partenariat d'une maison d'édition que j'adore je ne l'ai toujours pas lu il s'agit des voleurs d'innocence de sarah et walker et j'ai très envie de le lire là en ce moment donc euh, j'ai des envies de lecture assez f... Foudroyante. Donc, je me dis que je vais m'écouter. J'ai envie de lire ça, bien évidemment, mais je pense que ça peut être. Ça peut aller ensemble. Je ne sais pas, hein. ça va peut-être changer dans... dans deux minutes, dans une heure. Je vais voir la vidéo de quelqu'un qui va parler d'un livre et je vais être là. Je ne veux plus lire que ce livre. Enfin, je suis complètement tarée dans ma tête, on sait bien. J'ai aussi bien envie de lire celui-là, Les Oiseaux du Temps. Il m'a été conseillé maintes et maintes fois par pas mal d'entre vous. Et en même temps, je me dis, il est très court, ça rentrera dans le petit mois, petite lecture d'Audrey du souffle de mots que je fais chaque année depuis presque 10 ans maintenant, enfin depuis qu'elle a sorti le challenge la première fois. J'adore ce challenge. Au mois de février, je lis des petits livres, pas que, mais j'essaye donc qu'il y ait des petits livres. D'ailleurs, j'ai prévu euh, notamment une semaine, 7 lecture, 7 jours, 7 livres, ça fait super longtemps, j'ai trop, trop hâte et peut-être que je la mettrai là-dedans, je ne sais pas. Voilà, donc je vous donne un peu mes envies de lecture, mais on sait très bien qu'avec moi, voilà, il suffit que je vois un film sur le pandarou en Sibérie, que ça me passionne, que euh, ce soir je commence un livre sur le pandarou, hein, si j'en ai un, hein. mais comme j'ai une grande pile à lire, c'est possible. Pff, voilà, je, je me fatigue hein, clairement, mais en même temps j'ai décidé quand même de suivre mes envies. Donc voilà, c'est possible que je me retrouve à lire 10 livres en même temps, c'est bien possible. heureuse de vous retrouver, je viens vous parler de mes lectures. Alors j'ai lu des petites choses trop chouettes, je suis en train de lire plusieurs livres à la fois, donc ça recommence, ma frédésie où je lis plusieurs livres à la fois, et euh, j'ai aussi acheté et reçu des choses, donc euh, voilà, j'ai pas mal de choses quand même à vous raconter, sachant que euh, j'aurai probablement encore quelques plans à vous montrer après. Euh, cette séance de parlotte, puisque j'ai encore au moins trois trajets de train euh, assez longs euh, sur les euh, cinq prochains jours. Donc j'aurai l'occasion peut-être de terminer euh, un ou deux livres dont je vous parle aujourd'hui euh, que je suis en train de lire. Donc voilà, comme ça vous savez qu'il euh, y aura encore euh, peut-être des retours de lecture dans ce blog qui sera du coup assez long. Je pense que la dernière fois je vous disais que j'avais des envies de lecture et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai satisfait ces envies de lecture. En commençant les livres que je vous ai montrés, c'est-à-dire, je vous avais dit que je voulais lire euh, ce livre-là, euh, qui est La justice de l'ancillaire, Les Chroniques du Rache. Je pense que je vous en ai parlé dans le bilan lecture je suis en train de le lire je suis à la page 83 c'est un roman euh, dans lequel on va suivre euh, une intelligence artificielle et euh, c'est vraiment sous le regard de cette intelligence artificielle qu'on va suivre l'histoire donc c'est quelque chose quand même d'assez compliqué pour la prise en main pour la compréhension j'ai pas mal de difficultés avec cette lecture de plus je trouve la traduction pas ouf alors le style est très fluide ça c'est ça c'est chouette parce qu'effectivement quand, quand tu as plein de noms et de mots que tu comprends pas pas. le style est fluide, ça ça aide quand même à avancer au fait enfin voilà c'est ça qui fait que je suis à la page 83 c'est intriguant mais c'est vrai que là je suis à la page 83 et je ne comprends rien et euh, par rapport au style toujours et eh bien euh, c'est pas fou au niveau de l'écriture c'est fluide mais c'est pas fou c'est pas voilà, il n'y a pas beaucoup de substance dans cette écriture. Enfin, bref, euh, pour le moment, je suis un peu mitigée, je vous avoue, parce que je ne comprends pas grand-chose. Il y a quelque chose qui m'accroche à cette lecture, hein, inévitablement, puisque je suis à la page 83, sinon je l'aurais déjà abandonnée, mais... Voilà, c'est quand même pas une lecture facile, surtout que voilà, bah je commence à ressentir de la fatigue, euh, voilà depuis plusieurs semaines, et donc petit à petit, ça devient compliqué de me plonger dans cette lecture. Donc j'ai besoin de lire d'autres choses, de lire d'autres choses que de la SF un peu euh, incompréhensible. Du coup, je vous, a, je vous avais dit la dernière fois j'avais envie de commencer euh, Les voleurs d'innocence et c'est ce que j'ai fait donc là je suis à la page 50 donc euh, vraiment le l'endroit le, un petit peu euh, critique hein, dans mes lectures en général la page 50, je suis à la page 50 des voleurs d'innocence de Sarah Walker je vous avoue que je passe un très bon moment avec cette lecture, effectivement le contraste est assez fort entre euh, les chroniques du Ratch qui est assez difficile de prise en main et ici si, tout de suite bah tu comprends tout quoi, enfin je veux dire <laughs> voilà c'est pas un univers inventé c'est chouette, c'est vraiment chouette alors on sait qu'on va suivre l'histoire d'une famille qui vit dans une maison qu'on va appeler euh, comment ils l'ont appelé un grand manoir euh, type gâteau de mariage euh, et euh, on va suivre toutes des sœurs euh, qui vivent donc ensemble dans ce manoir avec leurs parents et euh, petit à petit, l'une après l'autre, elles vont se marier. Et je pense qu'au fur et à mesure de leur euh, mariage, elles vont euh, mourir. Voilà. Et on une des survivantes de cette famille. Donc, ce n'est pas du tout un spoil. Hein. Moi, je suis qu'à la page 50 et je suis déjà au courant que euh, tout le monde, euh, petit à petit, va clamser. Euh, j'aime beaucoup, maintenant je suis très intriguée, euh, je me demande comment ça va se passer, parce que là on rencontre un protagoniste masculin qui potentiellement va se marier avec la sœur aînée, il me semble. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'aime beaucoup cette lecture. Voilà. Alors, euh, je vais un petit peu vous parler de mes pérégrinations de lecture parce que j'ai quand, euh, quand même lu des choses aussi. J'ai lu... Oui, ça, je vous en ai pas parlé dans le bilan lecture puisque c'était ma première lecture de février. J'ai enfin lu un livre qui était dans mon book haul. C'est The Little Books of the Little Brown qui est sorti, je pense, entre-temps en français. C'est illustré par Briony May Smith qui est une de mes illustratrices préférées en, en livres graphiques. Et c'est écrit par Sarah O'Leary et ça va reprendre... Euh, c'est très court, hein. c'est vraiment un livre pour enfants qui va parler des quatre, euh, de la fratrie euh, des sœurs et frères Bronté. Donc euh, j'ai bien aimé, c'était très mignon, les dessins étaient vraiment magnifiques, très très euh, bon enfant bien sûr puisque c'est pour enfants. C'est surtout, c'est pas forcément pour apprendre quelque chose, c'est surtout pour passer un bon moment avec des beaux dessins, pour faire rêver un petit peu. Il euh, y a un tout petit peu de nostalgie dans ce livre parce qu'on sait que leur vie est très triste, mais ça va, elle est quand même soft. Il y a quand même beaucoup de bonheur qui se dégage de cette lecture, notamment quand ils inventent des histoires, leurs histoires qu'ils qu écrivent, notamment. Quand ils créent leur petit livre miniature, là, très très mignon, et à la fin en fait tu as une explication de comment faire un petit livre miniature, c'est très chouette. Maintenant c'est très 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 court et du coup il y a quelque chose quand même d'assez frustrant, mais bon c'est pas destiné pour moi qui ai 33 piges, quoi, 34, je ne sais plus. Mais bref, euh, c'est pour enfants initialement donc forcément moi j'en voulais plus, mais je pense que pour enfants c'est très, très bien. Je pourrais pas dire en fait, euh, je vous avoue, surtout que c'est en anglais donc euh, je, je sais pas au niveau du style. Euh, Bon, oui, c'était accessible forcément. <laughs> Sinon, j'ai encore lu quelque chose, puisque effectivement, qui dit mois de février dit petit mois, petite lecture, et moi je suis avec euh, deux pavas, et donc je me suis dit euh, justement pour mes trajets de train, prenons un petit livre également. Donc je lis en parallèle mes deux gros livres, mais c'est vrai que je lis aussi des petits livres. Et j'ai lu, euh, ça c'était dimanche, j'ai lu euh, Galatée de Madeleine Miller, qui est une réécriture donc, du mythe de Galatée, Galatée qui est euh, donc cette fameuse. Euh, statue euh, créée par euh, Pygmalion qui, euh, qui en est fou amoureux et qui, euh, grâce à une déesse qui a pu prendre vie, euh, prendre forme humaine. Ici, on parle principalement de Galatée, mais je pense que dans la mythologie, d'après ce que j'ai pu lire, euh, c'est plutôt de Pygmalion qu'on va parler, et vaguement de Galatée, mais c'est surtout de Pygmalion qu'on va parler, qui tombe amoureux de cette statue, hein, qui... Euh, et euh, il est tellement amoureux d'elle qu'à un moment, il va la caresser ou je ne sais pas quoi. Elle va commencer à rougir et prendre vie. Donc, euh, une déesse va lui donner la vie. Et donc, ici, le point de vue, c'est celui de Galatée qui est donc, dans cette relation ô euh, oh, combien euh, euh, bienveillante avec ce personnage. Euh, J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié cette petite nouvelle. Je me suis demandé si je devais euh, conna avoir euh, connaissance du mythe en lisant ce livre. Et je me rends compte que pas forcément, donc, c'était très agréable justement de ne pas connaître le mythe, de lire le livre et puis à la fin on nous explique le mythe euh, initial et en fait il n'y a pas grand-chose qui est écrit sur ce personnage. J'ai fort apprécié, j'ai bien aimé la fin, euh, c'était très court et pourtant c'était très 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 impactant parce qu'en plus Madine Miller nous dit que euh, le personnage masculin hein, qu'elle va dresser, dont elle va dresser le portrait, en fait euh, est très similaire à ce qu'on peut lire dans la mythologie mais c'est le personnage féminin qu'elle va étoffer, elle va lui donner une voix j'ai trouvé ça très 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 chouette et très impactant euh, sur la, la, la symbolique de ce personnage en fait au qui, à qui on n'a rien demandé en fait dans l'histoire initiale. Euh, J'ai ai beaucoup aimé avec l'explication finale et ça me donne encore plus envie de lire euh, Circé ou Le Chant d'Achille qui sont dans mon challenge euh, du... Comment s'appelle mon challenge Tout va bien <laughs> du, De la nuit du hasard, voilà. À propos du challenge de la nuit du hasard... Euh, durant le mois de janvier, euh, je ne vais pas vous réexpliquer à chaque fois ce qu'est ce challenge parce que j'ai fait genre une vidéo pile à lire pour le mois du hasard. Donc voilà, pour le mois de janvier, j'ai pioché euh, l'aube d'Octavia Butler que j'ai lue. Et pour le mois de février, j'ai pioché Petite. Que je ne sais pas où je l'ai mis, mais voilà, j'ai pioché Petite. Ce qui est très très drôle, c'est que euh, j'ai fait une petite publication en disant voilà, euh, j'ai pioché Petite qui fait euh, presque 600 pages. Et je disais bah ben bon, bah ça rentre pas trop dans mon petit mois petite lecture. et Il y a quelqu'un qui me dit bah si, en fait, Petite, c'est une petite lecture. Bref, c'est très drôle. Je ne vais pas tilter. Bah oui en fait. C'est très bien, petit mois, petite lecture, je vais pouvoir lire petite. Je ne sais pas encore comment quand je vais le commencer. Euh, Peut-être que je vais attendre d'avoir lu euh, plusieurs petits livres. La semaine prochaine, je vais faire une semaine, 7 jours, 7 livres. Alors, euh, j'ai encore fini un livre. J'ai fini euh, ma lecture. Euh, alors c'est un livre à chaque fois je me disais euh, je vais le lire à un moment où j'ai besoin de coconni réconfortant et, et j'ai retardé cette lecture mais tellement retardé cette lecture et là je me suis dit c'est bon maintenant je le commence. J'ai lu et adoré le livre Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet. Alors, euh, j'ai beaucoup apprécié, malgré le fait que j'ai un petit peu eu du mal à rentrer dedans par rapport au dessin. J'ai eu du mal à rentrer euh, dans ces dessins avec ces couleurs très vives et très printanières, estivales. J'ai eu un petit peu de mal, et puis aussi parce que je sentais que c'était pas du tout. Euh, ça a beau se passer au Japon, je sentais que c'était un regard euh, français. Sur euh, le Japon et pas un regard euh, de. Enfin, pas une histoire écrite par quelqu'un euh, de japonais. Et au final, c'est pas très grave. Hein. C'est juste que, voilà, j'ai mis du temps un petit peu à, avant de me dire euh, Ok, tu auras peut-être des sujets qui seront abordés bah, par une française, un hein, point de vue d'une française amoureuse du Japon, mais pas du tout euh, un livre japonais. Et quand je me suis habituée à ça, à la manière dont c'était narré, avec des, des phrases euh, très jolies d'ailleurs, euh, et. Euh, oui, quand je me suis habituée au style, et à, aux couleurs, j'ai fort raccroché à l'histoire. C'est une très très belle histoire euh, avec des chapitres, euh, avec différents points de vue. Donc on a une histoire petit peu puzzle qui va se compléter au fur et à mesure des points de vue, justement. À un moment, nous avons même le point de vue du chat qui va apporter encore des réponses supplémentaires à nos questions. Et le point de vue du chat, je pense que c'était mon point de vue préféré parce que j'ai presque pleuré à, lors de ce, ce passage. En plus, je trouve que les illustrations du chat, ses mimiques et tout, étaient très chat, quoi. Enfin, c'était très, très bien fait. J'ai adoré à un, un moment, je pense, le point de vue du petit garçon. J'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cette lecture, c'était hyper touchant, il y avait plein de sujets abordés. J'ai adoré euh, toute la manière dont on va, on va parler des rituels autour du décès, autour de la mort justement, autour du deuil. Euh, moi je ne connaissais pas en fait ce rituel euh, euh, justement où chaque année à l'heure, euh, au jour, je ne sais plus quel jour mais tu fêtes les morts en faisant un certain rituel... Euh, très beau et je, ça me parle beaucoup plus que les propres rituels que je connais hein, et que je peux euh, appliquer on va dire mais euh, j'ai trouvé ça très euh, très impactant et très fort et au final j'ai adoré cette lecture c'était vraiment un bonbon au pamplemousse cette lecture j'ai vraiment adoré euh, voilà donc une collection euh, Inari chez Robert Laffont. Je, je viendrai voir euh, ce qu'ils font, je vais les suivre de près parce que j'ai adoré. Et merci encore de tout cœur à Alex de la chaîne Alex Bouquine en Prada d'avoir présenté ce livre. On n'a pas toujours des coups similaires, j'ai l'impression, au niveau des lectures, mais là pour le coup euh, je la rejoins à 1000%. C'était vraiment très très beau. Ça c'est le dernier livre que j'ai lu. Et donc, pour mon petit mois, petite lecture, euh, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire Oui, euh, le premier livre que j'ai tenté, euh, donc le second livre que j'ai tenté pour mon petit mois, petite lecture, c'est Les oiseaux du temps. Je vous avais dit aussi dans la, la, le dernier plan que j'avais envie de lire. Donc, c'est un livre de Amal El Mokhtar et Max Gladstone. Je suis à la page 66 et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec cette lecture et je, je suis la première déçue parce que. C'est une lecture euh, dans laquelle je ne comprends rien. Alors vous allez me dire, quand je vous parle de celui-là, je dis la même chose. Donc vous allez me dire en fait vous êtes face à une quelqu'un de profondément stupide. C'est potentiellement le cas, mais c'est vrai que c'est... Je pense qu'il y a quelque chose de très nébuleux dans cette lecture, c'est que c'est un récit épistolaire dans lequel on va suivre des lettres que s'envoient rouges et bleues. Et donc chaque chapitre, chaque nouvelle lettre nous met dans, un, dans une situation, à une époque, dans un contexte différent. Et le contexte est à chaque fois hyper particulier. Donc on est vraiment dans de la science-fiction, limite parfois fantastique. Avec euh, bah, des, 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 des situations différentes, en, en gros, de fin du monde. Hein. Souvent, c'est ça qu'on retrouve. Et euh, c'est, j'ai beaucoup de mal parce que effectivement, on nous explique pas grand-chose, on nous explique rien. Après, je pense que c'est fait exprès, hein, mais du coup, il y a ce côté très nébuleux de cette lecture. Et paf, tu passes au chapitre suivant et tu as une nouvelle situation. Là, le chapitre dans lequel je suis. Euh, me plaît peut-être un peu plus, même si euh, je crois qu'il va faire que trois pages, hein, donc je vais tout de suite me calmer. Mais on est dans un Londres, euh, on nous dit que c'est un Londres dont tous les autres Londres rêvent une teinte sépia, un ciel traversé de dirigeables, la cruauté de l'Empire se résumant à une toile de fond. Enfin bref, on a euh, des situations dans des époques différentes et c'est très perturbant. Alors j'ai lu beaucoup d'avis pour voir. Euh, parce que quand j'étais genre à la page 30, j'étais là « Oh mon Dieu, mais je ne comprends rien. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est moi qui suis débile Je ne sais pas. » Et donc, j'ai lu pas mal d'avis. Alors, la plupart des avis, c'est « Ce livre est fabuleux, est original et exceptionnel. Je... Voilà. » Et tu as quand même beaucoup de gens qui disent « Bah voilà, euh, je... tu ne comprends rien et c'est normal. » Et donc, euh, quand, tu passes, euh, quand tu fais un peu, tu dépasses un peu le fait que tu ne comprennes pas les situations, tu peux passer un bon moment. » Et je n'arrive pas encore à justement dépasser euh, le fait que je ne comprends pas les situations. Et je suis toujours dans cette frustration. Je, je ne suis pas encore en train de savourer une relation qui naît entre deux personnages, parce qu'en plus c'est écrit avec une plume euh, très soignée, un peu poétique comme ça, qui rajoute quelque chose d'onirique à cette lecture, alors que c'est déjà compliqué à comprendre. Donc il y a quelque chose d'un peu frustrant justement, euh, qu'en plus... La plume n'aide pas à se mettre dedans. Après, c'est fait exprès, c'est un concept et je pense vraiment que, euh, effectivement, c'est hyper original. Hein, ça, on ne peut, peut pas le retirer. Mais moi, je ne sais pas si je vais arriver à euh, plonger vraiment à, à être touchée. Parce que je lis pour le moment, je ne suis absolument pas touchée, je suis page 66. J'avais toujours un deal, si à la page 50, ça ne va pas, tu abandonnes. Mais étant donné que c'est un, un livre qui fait moins de 200 pages, j'ai décidé d'un peu continuer, justement, après avoir lu les avis de gens qui disaient ben bah voilà, il faut un peu surpasser ce, ces premières pages. Euh, ouais, je me suis dit que j'allais quand même continuer. Là, je suis à la page 67 et je me vois mal abandonner à la page 100, quoi. Euh, autant essayer d'aller jusqu'au bout, mais bon, euh, si ça devient une lecture qui me bloque, ça risque d'être compliqué. Euh, du coup, euh, j'avais ce livre, ce, cet unique livre avec moi ce jour-là. Je l'avais pris pour pouvoir le commencer le matin et le terminer le soir dans les transports. Et j'étais tellement frustrée que je suis passée en librairie et j'ai craqué sur un livre euh, d'une maison d'édition euh, que j'ai envie de découvrir depuis longtemps. Il s'agit de la maison d'édition Nami. Et euh, je suis tombée sur un lundi parfum matcha de Michiko Ayo. Yama, alors c'est le premier livre de cette maison d'édition que je possède et je l'ai tout de suite commencé parce que j'en avais marre, j'étais là, je comprends rien, je veux comprendre ce que je lis, donc je l'ai commencé aussi, donc je suis dans quatre lectures en même temps, tout va bien, mais c'est des lectures très très différentes et donc là je suis à la page 34 et je vous avoue que je, je prends quand même un réel plaisir à lire ce livre qui. Euh, bah déjà, le titre, on en fait déjà la, la couverture exceptionnellement belle, euh, le titre qui nous apporte déjà tout ce que tu recherches. C'est-à-dire que c'est un lundi, donc en général un, un, un jour pas foufou quoi, sur la semaine. Parfum matcha, donc tu sais que tu auras quand même quelque chose de très doux. Et moi, je suis une passionnée de matcha. D'ailleurs, petite parenthèse, euh, en parlant de matcha, j'ai toujours en tête euh, qu'il y a trois types de personnes. Il y a les personnes qui, comme moi, sont fans de matcha. Il y a des personnes qui détestent le matcha, parce que je ne connais pas de juste milieu. Et alors, il y a des personnes qui n'ont juste pas encore goûté euh, un bon matcha. Et donc, qui sont là, je n'aime pas le matcha, mais parce qu'ils n'ont pas goûté le bon. Voilà, je pense qu'il y a trois types de personnes sur cette terre. Et moi, je fais partie de la première catégorie qui adore le matcha. Et donc, alors, il y a un moment, une description où justement, l'héroïne découvre... À son, son bol de matcha. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de lire ça, j'avais vraiment besoin de ça. Euh, voilà, donc je pense que je vais un petit peu continuer ça aujourd'hui, je vous avoue, j'ai vraiment besoin d'un truc doux comme ça. Euh, ici, on a le premier chapitre, c'était l'histoire d'une jeune femme, il y a, y a pas mal de malchance ce, ce jour-là, et elle arrive dans ce café matcha. Et la deuxième, euh, deuxième chapitre, on est avec un couple. Qui vient de se disputer, on va découvrir pourquoi. J'ai l'impression que ce sera très doux et j'ai vraiment l'impression que cette maison d'édition va me faire ressentir plein d'émotions. J'ai trop, trop hâte. Donc voilà pour le parfum à On est mal barré ici, la personne est en train de lire quatre livres en même temps. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'en terminer au moins deux pour la fin de ce vlog. Hein, voilà. Et je vais quand même vous dire ce que j'ai reçu euh, dernièrement et ce que j'ai acheté, hein, euh, disons-le. J'ai reçu de la part des éditions Cyros si "Ne vois-tu rien venir" de Amélie Antoine, qui est sorti le 1er février. Alors c'est un livre qui va retracer un petit peu, euh, qui est une version jeunesse et du point de vue des adolescentes du roman "Raison obscure" d'Amélie Antoine, qui est un de mes livres préférés. Si je dois faire un top 50 euh, de mes livres préférés de tous les temps, "Raison obscure" est dans les dix premiers. D'ailleurs, je me suis déjà demandé si j'allais pas faire cette vidéo, les 50 livres préférés de tous les temps. Euh, voilà, je l'ai déjà euh, en tête. Je me dis que ça, ça vous plaira peut-être bien si ça vous tente d'ailleurs, n'hésitez pas à le lire. Donc, ici, c'est une version du point de vue des adolescentes. Et ce que j'adore, c'est que ce livre propose deux fins alternatives. Donc, je pense à mon avis une fin positive et une fin négative. Je ne sais pas, hein, je ne l'ai pas lu. Mais voilà ce que nous propose Amélie Antoine et je suis très contente parce qu'en plus il n'est pas très long et il pourra rentrer dans le petit mois, petite lecture. J'ai reçu, et alors là c'est une demande de ma part hein, à la maison d'édition, ça fait, voilà je demande quand même assez peu de livres là depuis euh, quelques mois, voire presque un an. Mais celui-là je l'ai demandé, il s'agit de l'affaire du bout du monde de Kim Cho Hop. Aux éditions des Crescendo. Donc, on nous dit que c'est un nuage de poussière qui a transformé la Terre en un lieu hostile, forçant les populations à se retrancher sous des dômes où l'individualisme règne en maître. Et lorsque des décennies plus tard, une jeune biologiste rattachée au Centre de recherche sur les écosystèmes de la poussière fait la découverte fortuite d'une plante extraordinaire, elle est à milieu d'imaginer que son enquête la conduira aux origines de la catastrophe écologique. Ça a l'air vraiment génial, une littérature donc coréenne. Euh, moi qui suis une grande passionnée de plantes, si vous voyez le nombre de plantes qu'il y a autour de moi, une grande passionnée de plantes, je pense que ça va me plaire. Donc euh, je suis très, très tentée par cette lecture. Sinon, j'ai acheté euh, un livre qui n'a rien à voir avec la littérature. C'est un livre sur des gaufres véganes puisque j'ai acheté un gaufrier et euh, j'ai très peu de recettes de gaufres véganes et je tourne un peu tout le temps avec les mêmes. Et donc, j'ai acheté ce livre qui est aux éditions La Plage, euh, qui propose des gaufres sucrées et salées. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les salées. Voilà. Je me suis procuré bien évidemment le tome 2 euh, de la saga, donc euh, avec l'aube de Octavia Butler très envie de le lire également, je pense que je vais attendre un petit peu ceci dit, euh, pour me lancer dans cette lecture, mais euh, j'ai forcément très très envie de le lire. Un petit craquage, euh, impromptu euh, pour ce livre aux éditions de Monsieur Toussaint l'Ouverture, euh, Les aiguilles du Les Aiguilles d'or avec cette couverture absolument splendide, il paraît que c'est magnifique. Euh, ce livre, il paraît qu'il est génial. Euh, j'ai vu des avis très 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 positifs de cette lecture dans plusieurs librairies que je fréquente. Et alors le craquage le plus onéreux, je pense, de ces derniers temps, ce sera La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nettercoll. C'est conseillé vivement par euh, Sean Amine qui a écrit une cosmologie de monstres que j'ai adoré. Hein Et c'est chez Albert Michel Imaginaire. Pour une fois, euh, il ne coûte pas 28 euros, euh, il en coûte 3 de moins. <laughs> C'était le craquage hein, clairement euh, de ces dernières semaines. Donc voilà, c'était pour. Euh, je pense que c'est tout ce que je voulais dire pour le moment. Je vais donc euh, beaucoup voyager prochainement euh, pour le boulot, notamment avec beaucoup de voyages en train. Et donc je vais alterner entre euh, montage de ce vlog et lecture. Donc euh, je pense que je vais essayer, comme je vous ai dit, de terminer au moins deux des livres que je viens de vous présenter, des lectures en cours, et venir vous en parler. Voilà, c'est un petit peu mon objectif de cette fin de vlog. de vous retrouver pour la suite de ce vlog je pense que je vais petit à petit le clôturer puisque euh, bah, je pense qu'il va être quand même déjà assez long alors je vais vous parler euh, de ce que j'ai lu récemment depuis la dernière fois de ce que je suis en train de lire et de ce que je compte lire par la suite. La dernière fois je vous disais que j'étais dans ma lecture du Parfum Matcha de Michiko Oyama Aoyama pardon publié aux éditions Nami qui est un livre que j'avais acheté, je vous avais dit il me semble un petit peu sur un coup de tête puisque j'étais dans une autre lecture qui me qui m'embêtait un petit peu, j'avais besoin de quelque chose de doux et de réconfortant. Du coup, ce jour-là, j'ai acheté le livre, je l'ai commencé et je l'ai lu en 2-3 jours, quelque chose comme ça. Et comment vous dire que j'ai adoré cette lecture Elle m'aura vraiment apporté ce que je recherchais à ce moment-là, c'est-à-dire de la douceur, de la bienveillance. J'ai ai énormément aimé ce livre. Donc ici on retrouve le café marble dans lequel vont se dérouler des dégustations de matcha. D'ailleurs, le premier chapitre, on va suivre un personnage féminin qui se promène dans les rues de Tokyo et qui tombe sur le café Marble et qui est déçu parce qu'il est fermé. Et en fait, elle regarde du plus près et elle se rend compte que bah en fait il est quand même ouvert et il y a cette fameuse séance de, de dégustation de matcha. J'ai beaucoup aimé ce premier chapitre et en fait. Tous les autres chapitres vont se dérouler à chaque fois sur un mois différent, donc on va parcourir toute une année. Chaque mois, on va rencontrer un personnage différent qui va d'une manière ou d'une autre être lié à ce café. Que ce soit euh, quelqu'un qui vient au café, quelqu'un qui passe devant et qui travaille euh, dans un magasin à côté, enfin, il y a toujours un petit lien avec le café Marble et c'est des petits parcours de vie, des moments où les des moments de vie où les gens se rendent compte de quelque chose. Il y a un chapitre notamment très touchant entre une petite fille et sa grand-mère, une jeune femme qui revient euh, voir sa grand-mère après euh, pas mal de temps et elle a l'impression que sa grand-mère lui en veut, elle est toujours froide, elle la félicite jamais, elle est jamais gentille avec elle. J'ai adoré ce chapitre, j'ai trouvé très doux, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai même euh, presque pleuré à plusieurs moments, enfin vraiment j'étais très touchée. Alors et bien sûr il y a un côté euh, qui peut être frustrant euh, de la brièveté de ces rencontres avec ces personnages puisque ces personnages on les rencontre le temps d'un chapitre, alors parfois on en reparle puisqu'ils ont peut-être des liens avec d'autres personnages qu'on re rencontre par après, mais euh, voilà c'est des gens qu'on rencontre sur très peu de temps. Mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'émotions euh, dans ne fût-ce qu'un petit chapitre. J'ai beaucoup aimé. Du coup, euh, j'ai l'intention cette semaine, euh, pour mon challenge 7 jours 7 livres que j'ai commencé, euh, de lire euh, bah, demain, puisqu'on est mercredi au moment où je filme. Euh, j'ai euh, l'intention de lire le jeudi Parfum Chocolat que j'ai acheté pour l'occasion, forcément. Donc je vais tenter de le commencer. Alors je vous parle un petit peu euh, de mes expériences de lecture, vite fait. Alors il y a deux lectures dont je ne peux pas vous parler puisque ce sera pour le 7 jours 7 livres, mais sachez que euh, déjà pour le 7 jours 7 livres, vous, vous verrez que j'ai lu euh, ce roman de Martha Wells, c'est mon premier Martha Wells. Voilà, je... Petit, euh, petit suspense si j'ai aimé ou pas. Et là en ce moment je suis en train de lire ce livre-là, mais je vous en parlerai plus dans le donc euh, pas petit mois petite lecture, mais 7 jours 7 livres qui est un challenge que je fais donc cette semaine. Donc ça je ne vous en parle pas. Pas. Je vous annonce déjà pour la, le prochain challenge. Pour le challenge 7 jours 7 livres, je vais essayer de terminer... Oh, ce sera un peu de la triche, mais bon voilà. Je vais essayer de terminer les oiseaux du temps euh, dont je vous parlerai du coup dans cette vidéo, puisque... dont je vous parlerai dans la vidéo 7 jours 7 livres, si j'y arrive, parce que je suis maintenant à la page 107. Je suis un peu frustrée parce que comme je vous ai dit, je pense que je vous en ai déjà parlé, je ne ressens pas moi toutes les émotions que je suis censée ressentir dans, cette, dans ce livre parce que j'ai besoin de comprendre les situations dans lesquelles je suis, ce côté fin du monde, oui, je, je comprends le, le concept, il hein, est vraiment très chouette et très intéressant, mais moi j'ai besoin de comprendre ce que je lis, j'ai besoin de ça. Sinon, je, je me sens à côté de ma lecture, je ne ressens pas les émotions. Alors, il y a quelques émotions que j'ai pu ressentir, hein. ça c'est vrai, euh, mais je pense que euh, j'ai entendu parler du fait qu'il y en a qui ont été foudroyés par ce livre bouleversé. C'est une belle plume, c'est beau, c'est poétique, mais du coup, tout cet, cet onirisme, cette, ces métaphores et tout ça m'empêche de... Alors que dans, si je comprenais ce que je disais, ça, ça me subjuguerait, mais là, comme je ne comprends pas, fin, comme on m'explique très peu les situations dans lesquelles je suis, ben, moi, ça m'empêche d'être captivée par cette lecture et du coup, ben, un livre que j'aurais pu lire en deux jours, hein, en deux trajets de train, euh, eh bien, je suis à la page 107, ça fait presque deux semaines que je suis dessus, quoi. Donc, euh, heureusement, je lis d'autres trucs en attendant, comme, euh, voilà, j'ai lu notamment le journal d'un assassin, dont je parlerai dans l'autre vidéo, mais, voilà, tout ça pour vous dire qu'à mon avis, je vais vous laisser dans cette vidéo avec un sentiment d'inachevé. J'espère, pour le 7 jours, 7 livre euh, arriver à terminer cette lecture. Je pense que je vais euh, me fixer ça comme objectif de, au moins, finir celui-là. Voilà écoutez, euh, et alors j'ai deux gros romans en cours qui sont euh, je pense des grosses lectures de, de février que je, que je lis, je continue, hein, j'avance un petit peu dans, le, notamment les voleurs d'innocence mais bon ça je pourrais pas, euh, j'aurais pas terminé pour euh, le vlog donc je pense que toujours cette livre non plus donc en fait je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les longs vlogs comme ça c'est tout pour cette vidéo je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures livresques ciao